Laurent votre portrait du jour, ce sont euh, ces deux hommes suspectés d'être responsables de la mort samedi de l'ex-rugbyman argentin, Federico Martin Aramburu. Ils ont été arrêtés. Oui, le premier s'appelle Loïc Leprieul. Il a 27 ans, ancien militaire, membre du mouvement d'ultra-droite Le GUD, hein, le groupe Union Défense. Il est suspecté, effectivement, d'avoir tiré samedi dernier vers 6 h du matin, boulevard Saint-Germain à Paris, sur l'ancien joueur de rugby qui est décédé sur place. Cet ancien commando de marine a été arrêté hier en Hongrie, à 300 km de Budapest. Il s'apprêtait à passer en Ukraine. Il a un passé militaire, c'est ce qu'il a dit aux policiers hongrois, et il a expliqué qu'il se rendait en Ukraine pour Combattre. Le second, lui, s'appelle Romain Bouvier. Il a 31 ans. Il était aussi membre actif de l'ultra-droite et lui aussi est suspecté d'avoir tiré sur lex Et Ils avaient tous les deux déjà eu des problèmes avec la justice. Hein. Ah, oui. Et Loïc Le il a un sacré pédigré en l'occurrence. Il a été condamné à l'âge de 19 ans pour violence, puis à quatre mois de prison avec sursis à 23 ans pour des violences volontaires en réunion et conduite en état d'ivresse. Mais surtout, surtout avec Romain Bouvier, il devait comparaître le 1er juin devant un tribunal pour violence aggravée contre un autre membre du GRUD, figurez-vous quand, en octobre 2015, Le Prieul et quatre autres Gudards avaient tabasser, humilier un ancien dirigeant du syndicat, le forçant même à se déshabiller sous les coups, une véritable expédition punitive, un lynchage même filmé et en partie diffusé par Mediapart. Ceux qui connaissent le Priole le décrivent carrément comme incontrôlable. Incontrôlable, radical, ultra-violent, au point que certains se demandent d'ailleurs comment il a pu intégrer l'armée avec un tel profil. Il a été formé à l'école de la marine à Brest, il a été affecté au commando de marine de Montfort avec lequel il a participé à plusieurs opérations, au Mali et à Djibouti, puis il a été rapatrié en 2015. Euh, stress post-traumatique, dit-on, en réalité, il a été exclu de l'armée pour comportement violent.